Et salut à tous, c'est Magicraft pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une intro avec Sony Vegas Pro 12 très facilement et c'est surtout comment mettre une template sur Sony Vegas Pro 12. Donc vous allez d'abord vous retrouver sur le site, enfin pas sur le site, sur la chaîne YouTube Vélo Sophie. C'est une personne qui crée des intros sur After Effects, Cinema 4D et Sony Vegas Pro. Et donc je vais vous montrer comment faire l'intro Minecraft. Donc vous allez tout de suite voir l'intro et voilà. Donc vous avez vu l'intro, donc maintenant je vais vous montrer comment faire et ben pour l'avoir. Donc c'est très simple, vous descendez un peu et vous cherchez le, il y en a plusieurs de Minecraft, et vous cherchez celle qu'on veut et donc voilà, c'est elle. Voilà, donc vous allez descendre, vous allez faire plus dans la description, vous faites download, après ça va vous mettre un site. Vous allez tout en bas et vous faites download. Et là, tout le monde, plein de personnes ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire. En fait, il faut attendre les 30 secondes ici. Et donc, je vais faire une petite coupure pile quand ça reprend. À tout de suite. Re les amis, donc nous voici là avec le petit chargement qui est fini. Donc, le petit bouton download. Donc, on clique dessus. Et là, ça va mettre un lien Mediafire. Donc, on clique dessus. Ça va nous le mettre ici. Et donc, ça va mettre le téléchargement. Donc, je fais une petite coupure. Non, même, je crois que ça va mettre. Pas beaucoup de temps, donc c'est bon, je ne fais pas de petite coupure. Donc quand c'est bon, hop, allez, voilà, vous le mettez sur le bureau, vous pouvez fermer les pages, voilà, voilà, et vous allez faire extraire ici, voilà. Donc ça va vous mettre un petit dossier, vous cliquez dessus, hop. Et vous faites open tease. Donc il y a le son de l'intro. Donc là on fait open tease. Donc bien sûr il faut avoir Sony Vegas Pro. Hein. Donc ça charge. Donc voilà, ça a chargé. Donc ok. Donc là vous allez zoomer. Donc ceux qui ne savent pas faire, c'est avec la molette vous avancez vers l'ordinateur. Et vous allez chercher et vous allez voir qu'il y a deux petits trucs comme ça. Donc celui du bas, vous allez faire clic droit, modifier le média généré. Et là, ça va être, vous allez mettre votre nom. Donc moi, c'est votre logo. Moi, c'est Magicraft. Voilà, vous faites le petit bouton enregistrer. Là, après sélection. Vous faites OK, maintenant vous pouvez quitter. Après vous regardez s'il n'y a pas un autre texte. Et là il y a un autre texte, donc c'est pas sur la même ligne. Vous allez voir, c'est ici. Vous faites aussi un petit clic droit et vous faites modifier le média généré. Et là au lieu de your name, vous allez mettre votre nom YouTube. Donc Magicraft. Voilà, vous faites le petit bouton enregistrer la présélection. Maintenant vous pouvez faire la croix. Et maintenant vous pouvez faire le rendu. Donc on la remet au début. Et vous allez regarder s'il y a bien votre pseudo. Donc moi je sais que c'est bon. Et vous allez maintenant mettre la molette dans l'autre sens, c'est-à-dire vers vous. Et vous allez l'avancer. Et maintenant vous allez faire un double clic ici. Là. Ah, voilà. Et ça va tout vous sélectionner. Il faut bien que tout soit bleu. Sinon ça va que vous enregistrer une partie de la vidéo. Et là vous n'allez pas faire enregistrer parce que c'est vraiment difficile de faire un montage avec ça. Donc vous allez aller dans fichier. Dans rendre en tant que, et donc ça va faire un petit chargement, et moi je fais en MP4, donc moi vous allez dans la petite, moi comme je suis sur Windows, dans le petit truc Sony AVC slash MVC point MP4, enfin voilà, vous faites la petite flèche, et moi je prends internet 1280 x 720 30, donc après vous faites le nom de votre de votre intro. Donc moi je vais mettre test YouTube, voilà. Maintenant vous faites rendre, et si vous voyez un peu l'intro en train de défiler ici
Avec vos pseudos qui apparaissent, ça veut dire que vous avez bien tous les sélectionnés. Donc ça veut dire que votre intro sera bonne. Donc ça charge, ça charge. Voilà. Donc c'est bon, ça a chargé. Maintenant, vous allez ouvrir le dossier. Vous allez prendre mon texte, voilà, texte test YT en MP4. Je le mets ici. Maintenant, je peux quitter. Quitter. Non. Quitter. Et là, le petit dossier, vous pouvez maintenant le mettre. Oh, merci, justement. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Donc, hop, poubelle. Voilà. Et maintenant, vous n'avez juste plus qu'à aller sur votre test. Enfin, sur votre intro. Et vous l'aurez en MP4. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Magicraft et ciao pour une prochaine vidéo. Bye!